Ah bonjour, bienvenue dans une présentation d'Holoraclip. Ce sera une courte présentation. Il s'agit de Alternative Two. Donc, Alternative Two, en fait, un site nous permet de découvrir d'autres logiciels basés sur du référencement. Donc, on va aller voir ça immédiatement en ligne sur le site alternativetwo.net. Alors, si je prends par exemple un logiciel comme Microsoft Word et que je cherche une alternative à ce logiciel, je tape simplement dans la recherche et on va me proposer des alternatives. Comme s'il s'agit d'un site, disons, social avec du référencement, vous allez voir également à plusieurs endroits des likes. Donc, ça vous donne un indice si cette ressource est généralement bien perçue par les autres membres de la communauté Alternative Two. Si vous descendez un petit peu plus bas, par exemple, je sais juste trouver un exemple. Vous avez plusieurs logiciels, en fait. Bon, en voilà ici. Vous allez avoir parfois des likes ou en fait des commentaires qui peuvent être négatifs. C'est important de jeter un petit coup d'œil à ça. Vous allez retrouver dans ces commentaires-là des fois si ce n'est plus maintenu. Si c'était par exemple un logiciel libre, maintenu par une communauté et que la communauté a abandonné le projet, ben, ça peut être intéressant de vérifier afin de ne pas vous ramasser avec un projet qui finalement n'aura plus jamais d'update. Finalement, dans certains cas, voyons voir si on peut trouver un petit exemple. Bon, gratuit, gratuit, gratuit. Il y a quand même beaucoup d'alternatives gratuites pour ce logiciel. Alors, on va faire un autre exemple, par exemple avec le logiciel de capture vidéo Camtasia, ou Camtasia Studio. Alors, si je m'en vais dans les alternatives, j'en ai plusieurs. Et par exemple, attendez un instant. Bon, voilà ici. Alors, si on prenait ici Fastone Capture, par exemple, vous allez avoir une information ici, Free Personal, avec deux petits signes de dollars. Alors, dans le bas, vous allez trouver à la première page d'accueil le type de licence. On peut voir que pour Bandicam aussi, c'est la même chose, c'est un freemium à 2 $. C'est-à-dire que certaines fonctionnalités sont probablement réservées à des abonnements payants. Ou dans le cas de Fastone, c'est que vous ne pouvez pas en faire un usage professionnel, que ce soit éducationnel ou que ce soit pour votre entreprise. Alors que dans d'autres cas, vous allez retrouver, si je prends par exemple tout en haut, le logiciel OBS Studio ou Open Broadcaster Studio que j'utilise présentement pour enregistrer, mais on voit qu'il est complètement free et open source. Lorsque vous cliquez sur un logiciel qui vous intéresse, bien évidemment, vous avez une courte description du logiciel, du type de licence, des plateformes qui vont être supportées. Donc, on voit ici, par exemple, OBS, c'est sur Mac, Windows et sur Linux. Quelques-uns des features, en fait, ce sont des tags qu'on pourrait en ajouter nous-mêmes, puisque c'est basé sur la communauté. Et plus intéressant que ça, si vous allez là, il a changé un petit peu de place. Ah, il est ici. Alors, si vous regardez maintenant, c'est rendu en haut, vous avez le official website. Donc, à partir de là, vous allez être capable d'aller directement sur le site web de la compagnie qui produit OBS Studio. C'est ce que je vais faire. Donc, il ouvre un autre onglet. Et là, j'ai maintenant accès à l'information de ce logiciel-là. Donc, Alternative est un site très intéressant si vous êtes, par exemple, un travailleur qui est dans le domaine peut-être de l'éducation et que vous aviez autrefois dans votre métier des logiciels propriétaires, des choses que vous n'avez peut-être plus accès à votre école. Donc, Alternative va vous permettre de trouver des logiciels gratuits qui font souvent un bon travail. Par contre, c'est important de se rappeler que si vous êtes habitué avec un environnement donné, les logiciels que vous allez trouver, ben, ils sont possiblement réfléchis dans un nouvel environnement. Donc, si vous êtes habitué avec un écosystème ou une ergonomie de type Microsoft, par exemple, ben, même si vous avez des fonctionnalités fort similaires dans les Google Documents ou dans le LibreOffice, pour ne citer que ceux-là, ben, vous allez trouver que la pente est un peu abrupte pour vous réapproprier toutes les fonctions. Donc voilà, c'était ma courte présentation sur Alternative Two. Je vous souhaite que vous utilisiez cette ressource judicieusement. Alors, mes remerciements à Sébastien Ross pour l'idée du Dollar Eclipse et aux différentes ressources que j'ai utilisées aujourd'hui que vous pouvez voir à l'écran.